Bon, il y a sans doute des gens qui se demandent qu'est-ce qui est devenu Laurence. Et en fait, je suis venu à sa rencontre. Bon, elle ne sait pas encore que je vais filmer. Donc je vais prendre la petite caméra de sport pour être plus discret. Sinon, elle va être gênée. Donc son camion est bien là, comme vous pouvez le voir à côté du mien, avec un mot dessus. Voilà. Obligé de laisser des mots pour venir travailler, pour voir se garer pour la police municipale. Bon, ça par contre c'est dégueulasse. Ça c'est des gens en camion certainement qui sont venus. Ouais, de la merde, des plastiques, des papiers, c'est dégueulasse. Encore des sacs plastiques là-bas, ça c'est abusé. Quand j'ai l'habitude de venir, je laisse toujours propre. Et là, je vais devoir ramasser les merdes des autres, ça me gave. Il y en a encore ici. Alors voilà où elle travaille, Laurence. Elle s'est trouvé un petit job là où on a fini l'aménagement du camion, dans ce petit restaurant. Vous voyez la vue. Juste énorme. Endroit paradisiaque. L'eau est à 25 degrés. Bon allez, je crois qu'il est temps d'y aller, aller à sa rencontre, se faire servir. J'ai quand même fait beaucoup d'heures de route, j'ai bien mérité un petit resto. Je fais un petit tour de son camion, j'ai vu 2-3 trucs. La petite personnalisation, une petite arête de poisson. Là je vois, vous voyez, elle a cassé la fenêtre. On voit encore le silicone, j'aurais dû l'enlever. Elle a cassé une petite bosse ici. Bon, ça je l'avais vu déjà. C'était en période où on refaisait le camion. Il paraît qu'il y en a une deuxième, s'en est pris un il n'y a pas longtemps, hier je crois. Au niveau de l'avant, je ne vois pas. Ça n'a pas l'air d'être bien méchant. Je ne le vois pas. Bon, j'ai pas vu la nouvelle bosse, on me la montrera tout à l'heure sans doute. Mais bon, dans l'ensemble il est propre. Pour son premier véhicule, franchement, un véhicule aussi long, elle se débrouille vraiment bien. Parce que souvent les jeunes conducteurs abîment leur premier véhicule et là à part une bosse, bon, elle en prend quand même soin, elle est quand même douée parce qu'il fait quand même 5,50 m de long je crois à peu près. Donc ça fait quand même un long véhicule. L3 rallongé 3 fois en fourgon, ça fait quand même très très long pour un débutant. Je vois qu'il y a le même symbole sur cette voiture. J'utilise donc la petite caméra de sport pour pas gêner Laurence car elle a vu de l'objectif. Elle n'aime pas trop ça et je la comprends. Ça va? Ça va? Elle est concentrée. Tout sympa comme vue. Alors je suis reçu comme un chef. Alors voilà, elle m'a apporté la carte. C'est quand même sympa. Et moi, je vais prendre ça, le loup entier, à la plancha. Et je suis invité.
Santé. Bon, je le dis, ça faisait un mois que je m'étais pas lavé les cheveux. C'est quand même top de pouvoir manger comme ça en bord de mer. Alors, c'est royal. Et maintenant, le vin. J'ai vraiment un traitement de faveur. Ravioles de gambas. Bah, bon appétit. Comme vous pouvez le voir, le plat a été vraiment succulent. J'ai tout mangé, accompagné d'un bon petit vin rouge, avec une vue magnifique. Ce magnifique bar, accompagné de sa persillade et de son accompagnement, me donne vraiment envie. Une fois de plus, j'ai fait honneur à mon assiette. Alors en bourgeoisie, normalement, on ne sauce pas son assiette, mais heureusement, je ne suis pas bourgeois. Bon, c'est sympa d'avoir ça comme décor. Je vais aller un peu à la plage parce qu'il fait super. Là, c'est une grosse canicule. Ouais, un bon 38, 38-39. J'étais obligé de me mouiller tellement il fait chaud, vraiment on est en alerte orange, canicule, tout le sud de la France, donc je sais pas comment elle fait Laurence, mais je pourrais pas travailler dans ces conditions là, c'est pas possible quoi. Je vais aller me refroidir et profiter un peu de la mer, elle est à 25 la mer, franchement c'est comme un bain. Bon, coucou. Salut Seb. Bon, il y a du changement dans le camion. Hein. Oui. Ça a pris forme. Ça a pris forme. Ouais. Effectivement, avec la petite bouilloire, les petits accessoires de cuisine, l'eau fraîche, hein, on a bien besoin. Les petits rideaux là-bas, avec le petit câble, moustiquaire, ouais, c'est pas mal, hein, comme ça. C'est bien. Bon, le rideau de douche qui est resté fixé en haut. Voilà, le petit rangeoir à chaussures là-haut. Alors, premier retour d'expérience, qu'est-ce que t'en penses de la vie en camion? T'arrêtes pas de travailler déjà. J'arrête pas de bosser. C'est une vie de nomade, mais en fait, tu t'arrêtes pas de bosser depuis que tu as ton camion, quoi. Ouais. Parce que la vie a fait que j'ai eu l'opportunité de le faire ici à Port-Vendres. Et sinon, la vie en camion, ben, c'est la vie de rêve. Ouais. Voilà. D'accord. C'est tout. Que t'es pas encore justement pu voir tout. Oui. Mais tu bosses. Mais voilà, donc même en supportant un rythme de travail assez effréné. C'est un mode de vie qui me correspond à 300%, je me le dis tous les jours. D'accord. Et y a une simplicité, une sobriété dans la... Parce que simplicité, c'est peut-être pas le terme, parce que c'est pas toujours simple non plus. Mais une sobriété de vie qui me correspond entièrement, parce qu'en camion, tu peux pas faire 1000 choses à la fois, c'est compliqué. Ouais. Parfois, il faut prendre le temps de faire... De préparer sa douche, de cuisiner, de s'occuper, d'entretenir un petit peu l'espace, parce que si tu ranges pas, ben, tu te sens vite dépassé. Voilà. Il y a moins d'entretien, mais il faut quand même le faire, parce que sinon ça devient vite désagréable. Je le conseille conseille à quiconque voudrait tenter l'expérience, parce que pouvoir se sentir partout chez soi, ouais. Pouvoir bouger quand on le souhaite, quand on en a envie, ou peut-être quand on en a les moyens aussi. Fondamentalement, parce qu'avec l'essence, effectivement, ça limite quand même les déplacements. Enfin, c'est un paramètre à ouais, à ça augmenter la vie en camion, hein, c'est clair. Voilà. Mmh. Mais du reste, c'est que du bonheur. Ouais. C'est aussi le fait de vivre dans la nature. Bon, ouais. Il y a peut-être des personnes qui se sentiront mieux en ville, mais pour ma part, c'est quand même en pleine nature et, ouais. Et c'est hyper agréable. Est-ce que tu as eu déjà affaire à la police municipale? Oui. J'ai vu ton papier. Oui, et bon, ben, en ce qui me concerne, ça s'est pas trop mal passé parce qu'on essaie de trouver des compromis. Ouais. Et c'était quoi le compromis là du coup?
Bah, étant donné que je fais une saison ici, que je suis travailleuse saisonnière, ils m'ont autorisé à stationner à un endroit spécifique, voilà, sur Port-Vendres, où je ne vais pas trop attirer l'attention, vu que l'idée, c'est de dire, voilà, si on vous autorise, vous, à vous garer à tel endroit, ça va faire tache d'huile. Ça va faire appel d'air. Ils cherchent à l'éviter. D'accord. Donc voilà. Mais en discutant, on arrive à trouver des solutions. Ok. Bon, bah c'est cool. Bon, bah t'es bien alors. C'est tout fonctionne bien. Tout fonctionne super bien. Wow. Tu as super bien travaillé. 14,5 volts au niveau du régulateur. Ça charge. Tout fonctionne nickel. Bon. Vraiment. Bah c'est cool. Merci. Tu souffles toujours là. Avec plaisir. Ouais. Bon, on va aller se refroidir. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Oui, on en a besoin. Eh oui, c'est même possible d'avoir deux lapins dans un camion. Comme vous pouvez voir, ils sont juste au-dessous de le lit. Grande leur tanière. La couleur de l'eau, c'est dingue. Je suis revenu au camion, il fait énormément chaud, regardez à l'ombre. 40, presque 40, 39, alors que vous voyez, j'ai les portes ouvertes. Hein. Ça fait un petit courant d'air, j'ai entrouvert la porte là-bas. Le soleil commence à descendre, c'est énorme. Je viens de ramasser un sac complet, un sac et demi. Regardez-moi ça, c'est dingue. Il est rempli ce sac. Et voilà, il y a même des gens qui jettent des restes de casse-croûte avec... paquet de clopes, tout ça c'était éparpillé là partout autour quoi. Bon, au moins je me sens bien, j'ai accompli ma bonne petite action, voilà, et je vais pouvoir prendre ma douche, je vais en profiter, je vais prendre ma douche dehors. Vu que je suis entouré de roches, j'ai mes portes, je vais mettre la calbotine ici et je vais mettre ma douche et je vais prendre ma douche direct. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu avec Laurence et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, j'étais en train de ramasser, il y a encore quelques poubelles. Voilà, je voulais vous montrer quand même l'homme dans toute sa splendeur. J'en suis un sac bien, bien rempli. Regardez ça. C'est une dorade. Elle a été pêchée.
et elle a été foutue en l'air. Vous voyez, l'être humain dans toute sa splendeur. Ça pêche des poissons, comme là, je viens de trouver ici une bouteille de plastique remplie de... C'est juste à côté, rempli de gambas. Voilà, ça pêche pour foutre ça en l'air. Regardez, ça c'est un poulpe, vous voyez. Putain. C'est un petit poulpe qui est déjà bien sec. Je vais pas le ramasser parce qu'il a l'air déjà en état de décomposition avancée. Ah là 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 là, je vais regarder s'il n'y a pas autre chose. Oh, putain, les canettes. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est l'être humain. Malheureusement. Voilà. Thank you.